Là, elle est en train de finir un des prix. La pierre de Charente. Et alors, c'est du calcaire de Beaulieu, des Bouches-du-Rhône, du coup. Oui, parce que d'habitude, elle travaille le grès d'ici, et bon, là, pour faire une pièce dans l'après-midi, du calcaire, sinon elle aurait jamais eu le temps. Parce que les outils pour le grès, c'est un peu plus dangereux quand il y a du monde autour. Ouais, il faut aussi la disqueuse. On va mettre le masque sur les yeux aussi. Ça. D'ailleurs, elle l'a pas mis. Oui. Thank you.
fin de bar. Voilà, c'est ça. Que maintenant donc, on fait une... parce que ça résiste un petit peu mieux, donc on peut faire des traits de un peu plus précis sans que ça risque de casser le morceau sur lequel on appuie. Non, Soline, mais tu vas me faire venir le papier si tu veux. Ah oui, ça c'est des gens qui font vite en l'art et puis l'art, c'est vrai qu'ils s'arrêtent. Il y en a 4 heures après qu'on en a, après ça reste des détails. Ça dépend un peu comme chacun le sent. Vous ne moquez pas de nous, on est des amateurs, nous. Hein. Ah, vous inquiétez pas, nous aussi. On s'interroge ce que c'est comme matière d'ailleurs. C'est de la terre, c'est du ciment. Ah, c'est carrément du ciment. C'est du mortier avec du colorant. Alors, regarde. Ah, ok. Qui a été coulé ce matin. Je prise sa prise On attend qu'il ait fait une prise. Il a commencé sa prise, mais il n'est pas. Il n'y a pas de sable. Il est en train de gratter. Il y a du sable, le vélo. Oui, oui. Ça ne va pas. Alors là, c'est de la silice. C'est pour ça que c'est très très bien. Après, là, je crois que dans l'autre, il a mis du sable. Classique. Et après, c'est très chaud. Non, il n'y a pas de retardateur dedans. Après, quand on commence à gratter, on a à peu près 5 heures pour que ce soit. Parce que ça commence à durcir vraiment, c'est bien plus difficile. Mais ce qui permet de faire des détails, par contre, quand ça commence à bien, on peut faire les. Donc au début, on dégrossit, on enlève les grosses formes. Et après, moi, celle-ci, je vais en partie la recouvrir avec de la mosaïque. Donc, je vais laisser des espaces pour la recouvrir. C'est pas encore. D'accord. Oui, après, c'est une inspiration. Statue mémoire. Ouais. Imaginez plein de choses. Voilà. Pour l'instant, hein, voilà. C'est encore un livre. Statue mémoire un peu. Après, si vous voulez essayer, vous pouvez gratter. Est-ce qu'on est là? Continue à faire le trou, mignon.
Pourquoi tu forces comme ça? Tourne. Ah, faut pas taper parce que il y a un gros bouger. Morceau qui vont partir et c'est pas forcément ceux auxquels tu t'attendras. Non, c'est bon, ça, il faut la partir. Ça va tout seul. Regarde, là, tourne. Enfin, et encore, ça va pas tout seul, il faudra du temps aussi. Hein. Comme tourne. Toutes les. Voilà, tourne. Et retire le. C'est à peu près quel est le morceau qui va partir. Ah oui, ça, c'est plus rigolo. C'est du ciment. C'est du ciment. C'est du ciment, mais qui n'a pas fini encore sa prise. Il est encore assez frais, donc il est encore très friable. Là, si j'essayais de soulever le bloc comme ça, je crois qu'il se casserait en deux dans mes mains. Mais demain, voilà. Et après, là, c'est trois personnes différentes qui l'ont fait. Donc en fait, on voit que c'est trois façons de. Trois envies différentes, quoi. Voilà, là, il y a une sorte de visage qui n'est pas très creusé au final, celui-là, mais qui est très tendre. Là, il y a plus un effet de surface. Je sais pas, voilà. Et puis, voilà, c'est la personne qui a fait ça et l'autre qui se sont retrouvés sur cette face-là. Puis là, bah, c'était plus l'envie d'aller creuser, de faire des volutes. C'est une personne qui savait déjà faire un peu, non, quand même, là. C'était. Bon, il se trouve que c'était un jour où on s'est amusé, j'en avais fait trop du ciment. C'était ma sœur, Agathe, et moi. Mais franchement, il y a des gens tout à fait néophytes qui font des choses très, 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 très creusées aussi. Ça, c'est... Ouais, il est très simple et en même temps assez. Il est serein. Oui, il est très beau. Oui, c'est bien. J'aurais plus de facilité à remplir qu'à creuser. Ouais. Là, il y a une petite plateforme qui est en train de se créer au-dessus. Ouais. Donc voilà, ben ça va être un bloc qui va servir à faire un bout. Enfin voilà, il y a du public qui vient et puis ça utilise un peu les gradins, tout ça. Là. Ça fera les gradins d'en haut. Là, ouais, c'est... Et alors ces toilettes, j'espère qu'elles seront. Donc t'as vu qu'il y a une porte, un sol et tout. J'espère qu'il y aura des toilettes d'ici l'automne. Fonctionnelles quoi, je veux dire. Bien, t'as vu qu'il y a une sculpture à la tombola. Oui, là, j'ai vu, je l'ai vu de loin la petite. Comment tu l'as voir là. Pour le sculpter 12 heures après. Quoi. C'est vraiment la vitesse, la réaction est très très dépendante de la température. Et surtout l'été, ça va prendre un peu plus vite. Ouais. Oui, là ça n'a rien à voir. Quand il fait 25 degrés, ça n'a rien à voir avec quand il fait 5 degrés. Par contre, c'est pas dit que ça soit plus solide en été. Non, encore que c'est quand même une masse. C'est pas. Parce que la réaction chimique peut être trop rapide. Il faut pas que ça soit privé d'eau. Ouais. Ouais. C'est ça, si y a l'eau qui s'évapore et que l'eau est plus disponible pour la réaction chimique, là, tout le monde. Ça arrive surtout avec des enduits, quoi, quand même. Voilà. Avec des couches fines, avec des gants, il faut le peindre aussi. Ah, ça, je ne maîtrise pas, mais. Je ne sais pas si c'est assez lisse. Il faut pas quelque chose de lisse quand on a des feuilles. Non, pas forcément. Vous pratiquez ? Non. J'en avais fait, mais bon. D'accord. Notamment pour les étrages de. Le fond n'était pas forcément lisse.
Ouais, je me disais que je pourrais faire des steaks comme ça. Ah non, alors c'est pas... Chez nous, on travaille, c'est la crue, monsieur, mais à Barcelone. Alors que la majorité des... Et j'ai transporté leurs enfants à l'école, à 20 ans. Je ne savais pas, mais... Ça y est, devant. Qui saurait te dire, monsieur César? C'est très sympa et apparemment qu'on a acheté il y a pas longtemps. All right.
Et oui, on s'est dit. J'espère qu'on sera de mon voisin. Mais bien sûr. Oui, parce que sinon, tu en as massé, il y avait là un couteau. Ouais, moi, je sais. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire. C'est un menhir berbéro-berbère, berbéro-breton, pardon. Ouais. Vous êtes breton ? Ouais, entre autres. C'est que ça devient... je meurs, je donne ça plein d'années, je me sens... Ouais. Alors, vous êtes... Nous, on a délirer ce matin avec le fait qu'on va mettre Monsieur Tarenko et Monsieur Malavage, vous êtes malade. C'est pour pas la détruire. Oh. Dans combien de temps il te faut ça te va ? À peine j'ai 2 minutes pour toi. Ces dames, elles sont voisines de la maison de Philomène. Donc ils sont contents de te connaître. Oui, c'est vous qui êtes venu la dernière fois. Alors nous allons commencer par un mini-cap SLC. SLC, comme vous l'avez compris, statue menhir contemporaine. Le cadre SLC qui correspond au ticket gagnant qui va sortir dans quelques secondes a été réalisé par Hélène Giordani. Vous improvisez. Alors, je vous pose un exercice. Comment vous ? Oui, c'est ça. C'est vous, les gens qui sont en France, sur la France. Je vous pose en plus, c'est que non seulement vous improvisez, mais vous aussi vous, vous écoutez. On tente d'improviser ensemble. Je démarre tout seul et vous rentrez dedans. Thank you.
déjà 3. Pile et face et le résultat de pile et face. Bon, voilà, vous savez, il y a enfin, le papa, la maman et puis il y a le monde derrière. Allemand se pleuvait, c'est pour ça que je me suis arrêté un coup. Bonjour le Tiger Four. Bonjour. Ça va ? Chaque. En retour de 7 ans de Covid, je ne sais pas qui gérer la main. Bonjour.
Après, si t'es plus à l'aise, tu as le droit de... Ah bon, non, c'est... On n'est pas au fichu, voilà. Un, Felder David. Felder David est demandé à l'accueil. Il y en a des plus petits, regarde dans le sac blanc. Si tu peux faire les plus petits dans le sac blanc. On l'applaudit bien fort, Lana. Arrêtez de l'applaudir, elle n'est pas là. Ah, elle est partie, monsieur. Bah, viens, monsieur Lana. Lana a gagné un magnifique menhir. En deuxième, nous avons Matisse. Matisse, bravo. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et alors, là où le prems des débutants. C'est des débutants, là. Ah, ben ils ont fait beaucoup. Hein. On fera mieux l'année prochaine. Enfin, il faut mieux l'être. Flora. Bravo. Where is Flora? Alors maintenant, nous passons dans la catégorie des confirmés. Jacqueline, avant, tu peux déjà prendre les inscriptions pour le concours de Ricochet de Menhir 2021. Voilà, si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire dès maintenant. Alors, dans les confirmés en troisième, j'appelle Pierre Gigi. Oh. Allez, on l'applaudit bien fort. Je peux pas applaudir, j'ai un micro dans une. Bravo Pierre. Merci. Ouais, en deuxième, nous avons Antoine D. Ah bah c'est Antoine. Bravo. Voilà, mais lui. Antoine. Il y a un gars. Ah, le Larsen dans le vestibule, c'est vraiment désagréable. Et. Oui, voilà. Ben non. Avec... non, non, c'est quand même pas. Tu peux pas, oui. Annonce la nouvelle. Et en premier, nous avons Flavie, Flav, qui est partie, mais Marlène de Poney, elle est partie aussi. Bon, bah... Lorenzo. Bravo! Et bien, Lorenzo gagne une œuvre d'Antoine. Mais comme Antoine voulait. Voilà. Bravo Lorenzo. Voilà, et bien en espérant que ce petit concours de. Alors. Ouais, on peut. Alors, on va remettre à celle qui n'est pas là. Était, voilà. Et si c'était. En espérant que ce concours de Ricochet de Menhir vous a bien plu. Merci à vous. L'ambiance était sympa. C'était super. Et on se dit à l'année prochaine. Bravo.